Voilà. Ensuite, cette position-là sera très utile à fortifier en entière. Que généralement, il y a plein de vaisseaux qui passent par là et ça me fera une défense centrale. Donc, ici, maintenant, on va tous les améliorer avec les fabricateurs de masse rapide. Bon, bah, je crois que je vais encore réussir à battre mon record. Hein. Avec les Ions, j'arrive toujours à faire mieux qu'avec les autres factions. Je pense que c'est parce que c'est la faction la plus fumée. Ou je sais pas, peut-être que je l'apprécie plus ou. Ah, donc niveau artillerie ça va être bon. Tout le monde doit l'aider. Au pire on va faire un par un, ça ira plus vite. Bah, améliorer le bouclier d'Amaria aussi. Or les boucliers Aeon sont les plus résistants, hein, enfin sur les unités en tout cas. Je pense que même sur en termes d'effet, je pense qu'ils sont aussi plus efficaces que ceux des Séraphines, mais bon, ça reste à confirmer. Donc maintenant que j'ai assez de ressources, faut que je vérifie quelque chose. Donc les boucliers Aeon sont purement personnels, ce qui est une excellente nouvelle ça. Ah, ça c'est une excellente nouvelle. J'adore apprendre ça. C'est esquis. Alors, je m'explique pourquoi c'est génial. C'est-à-dire que le commandeur Aeon est le commandeur le plus dur à faire tomber quand il est bien équipé. Et même leur commandeur de soutien. Donc ça va, c'est vraiment une faction qui est spécialisée dans les boucliers. Fletcher est paré au transport, commandeur. Nous attendons que vous ayez nettoyé la zone. Terminé. Ouais, bah Fletcher, il attendra. Le raciste attendra. Enfin, le xén... Techniquement, c'est un xénophobe. Donc ça va être bon. Voilà. Ah oui, là, j'admets que ça se construit quand même ultra vite. Alors, c'est vrai que je vous conseillerais encore une fois d'en construire deux, de générateur expérimental. Parce que là, c'est jouer avec le feu, si jamais ils me font sauter, j'ai plus de ressources. Enfin, j'ai un minimum de ressources, toujours avoir un minimum de réserve énergétique. Parce que vous pouvez pas vous permettre d'avoir zéro ressource, toujours avoir un minimum. Au cas où ben justement que j'inter explose. Pour pouvoir notamment ça peut vous paraître bête. Mais juste pour pouvoir garder vos boucliers opérationnels. Rien que ça, pas forcément pour plus. Juste garder les boucliers opérationnels, c'est déjà ultra important de le garder. De garder un peu d'énergie. Que si jamais. Ce que imaginez, on fait sauter le générateur de ressources. Bon, vous perdez. Certes, généralement, ce que vous avez perdu normalement, c'est la masse. Vous pourrez plus produire d'unité. Cependant, si en plus toute votre énergie dépend de ce générateur expérimental, vous perdez la possibilité d'alimenter tous vos systèmes de défense qui marchent avec de l'énergie. Donc artillerie plus bouclier. Et à ce moment-là, vous aurez un gros problème. C'est comment vous faites si jamais l'ennemi attaque au même moment. C'est pour ça que je conseille toujours de garder un minimum d'énergie pour faire face à tous vos boucliers et pouvoir fournir une partie de votre artillerie. Peut-être pas tout, parce que si vous avez énormément d'artillerie, ce sera pas faisable.
mais au moins un minimum syndical pour pouvoir au moins vous défendre. Et toujours garder quand même des extracteurs, si vous pouvez avoir plein d'extracteurs et masse, gardez-en. Toujours dans cette même situation, si vous n'avez plus... vous perdez tout la production, que vous puissiez toujours en produire. Enfin, si vous perdez le générateur expérimental. Alors, je sais qu'il se construit ultra vite, mon système, là. Bon, j'en ai 4, hein. Ouais, par exemple... Vous ne pouvez pas comprendre l'étendue de notre puissance. Le maître est infini, et sa sagesse incomparable. Vous ne vaincrez jamais. Voilà, donc... Là, j'ai quand même positionné déjà mon artillerie. Encore une fois, beaucoup d'artillerie. Mais bon, c'est comme toujours, c'est pour faire face à la puissance adverse. Nettoyez la zone, commandeur. Fletcher est parti. Et aller plus vite dans la suite de la mission. Voilà. Alors, ah oui, j'en profite pour vous annoncer quelque chose. Certaines personnes me croisent sur Battlefield dernièrement. Oui, je joue à Battlefield 4, oui. Je joue pas beaucoup à Battlefield, mais Battlefield 4, j'y joue quand même pas mal. Oui, si vous me trouvez en partie, on peut jouer ensemble, ça me dérange pas. Mais non, je vous rajouterai pas sur Battlefield. Je fais cette réflexion parce que je sens que quelqu'un veut à tout prix jouer avec moi. En fait, quand je joue à un jeu de manière générale, c'est que je suis déjà invité avec d'autres personnes que je connais et on joue ensemble en fait. Après, si jamais on est ensemble dans la même équipe, dans la même escouade, c'est sûr que tu communiques avec vous, on va jouer en équipe. Dans le cas de Battlefield ou de n'importe quel autre jeu, mais je peux pas. Actuellement, dans la position que je peux pas me permettre de répondre à vos requêtes. Est-ce qu'on peut jouer ensemble ou ça? Je n'ai pas la possibilité de le faire. Je n'ai pas le temps et je n'ai pas les moyens de le faire. Donc j'espère que vous comprenez ma position. C'est rien contre vous, c'est juste que je ne peux pas. Si j'arriverais à faire du streaming, donc avoir une connexion internet suffisamment custom pour pouvoir supporter notamment le streaming, là, je peux vous assurer que je vais me débrouiller pour faire en sorte qu'on fasse des événements tous ensemble, pour que vous puissiez jouer avec moi. Pendant la durée du stream, certes, mais qu'on puisse jouer ensemble, voilà, faire des petits événements comme ça. Mais bon, voilà, ma connexion ne supportant pas, je peux pas me permettre. Et aussi, il faut aussi avoir le temps. Voilà. Une pluie quantique, ouais! Bon. Alors, lance-missile. Bon, je sais que là, j'abuse totalement vu l'artillerie que j'utilise. D'ailleurs, Amalia va mettre tout tir, elle va me consommer au dispositif de quantique optique. Alors vous voyez, ma base a un de ces nombres de boucliers mais phénoménal. Mais c'est normal, dès que moi j'ai des dispositifs importants, de manière générale, j'appuie normalement sur le bouclier derrière. C'est d'ailleurs un de mes défauts. Alors eux devraient commencer déjà à tirer là-dessus. Cette armée-là... j'en aurais plus besoin. Ah si j'aurais peut-être pu la laisser à... Quoique j'aurais envoyé à Procaspi. Un nouveau commandeur ne changera pas grand chose. Vous ne me vaincrez jamais. Vous avez bien pris votre temps, hein. Oh là. Il va pas se suicider, vous savez. Stop. X5 se trouve au sud de la position de Fletcher. Il doit être détruit. Oh oui. Alors. Vous avez entendu le vieux, commandeur. Détruisez X5.
J'ai terminé. Ah. Et du Fletcher comme vous le pouvez, commandeur. Terminé. D'en avoir 6, mais ils sont tous regroupés. Alors soyez prudents. QG, terminé. Ouais. Je subis des attaques violentes. Venez me donner un coup de main. Terminé. C'était moi, les attaques violentes. Bon, faites attention à ça, par contre. Et ils vont envoyer des chasseurs pour vos vaisseaux aériens. Ah non, des transporteurs, d'accord. Vous n'avez pas la moindre chance contre le maître. Il vous anéantira. La vache, ils m'ont explosé ma ligne de défense, ça c'était pas prévu. Pas grave. Ah, moins bien. Ah ouais, les tributions ont tiré plus tôt aussi, c'est pour ça. Le temps de remettre après en place la ligne de défense, c'est bon. Lui va y aller. Champion, vous venez de recevoir les plans du vaisseau de combat punisseur. Il peut attaquer aussi bien les cibles terrestres qu'aériennes. Bah, c'est le vaisseau anti-aérien qui sont plantés de traduction. Là. Vaisseau anti-aérien, mais en fait, c'est un vaisseau de combat. Mon économie d'école, commandeur. Terminé. On dirait que X5 déploie des robots araignées. QG terminé. Commandeur, il va falloir me procurer une couverture aérienne. Défendez ma position contre les attaques aériennes. Fletcher, terminé. On va faire des Punishers. On va maintenant toutes les factions ont des vaisseaux de combat de niveau 3. D'un côté, c'est bien, parce qu'au moins, c'est vite que la FTU ait ce monopole-là et leur puissance de feu. D'un autre côté, ça enlève une particularité de la FTU, quoi. Donc après, c'est comme vous le voyez. Moi, je vois ça comme un défaut, mais comme un avantage aussi. Moi, je voyais deux facettes de ce coup, sur ce coup-là. Voilà. Notre artillerie va maintenant faire son boulot. Ah, d'accord, ils avaient deux mégalithes. Le programme de loyauté du docteur Brackman a servi des milliards de gens. D'accord, il y en a eu 200 en même temps. C'est pour ça qu'il y en a un qui est passé, en fait. Voilà, donc là l'icône est faux, mais c'est un vaisseau de combat en fait. What the? Ah, des hurleurs, ok. Vous êtes faible. Vous êtes effrayé par ce que vous ne pouvez comprendre. Alors tout ça, c'est pour quelle raison qu'ils m'envoient ça? Bon, après, ma défense KO est quand même assez lourde, mais bon. C'est quoi pour... Ah, pour mon artillerie, d'accord. Mais pour mes usines terrestres, bon, les usines, ça repousse. Ils ont des mystiques serpentines entières, apparemment. On peut toujours essayer de retrouver où il est, Alex. Pas là. Où es-tu, X5? Ça permet de faire ça, surtout. Ça permet, en fait, de totalement contrer... Enfin, de toute façon, toutes les factions peuvent contrer un peu toutes les factions. Enfin, je pense. Il commence à perdre pied. Ah, ils ont bien quadruple tube standard, enfin quadruple laser.
trop d'artillerie, encore une fois, je parie. Il est encore trop exagéré sur l'artillerie. De toute façon, c'est mon souci, moi. Alors. On va couper l'artillerie là. C'est celle qui est la plus gourmande niveau ressources sur un ordi. Normalement, ça se restabilise un peu, FPS. Voilà, c'est. Il y a quelques bugs sonores, c'est parce que j'ai des ralentissements, donc m'en excuse. Ah, je sais d'où ça vient. Ça devrait être mieux. Voilà. Non, attendez. Attendez, je suis plus sur le jeu, c'est normal. Donc meurs voilà, excuse. Donc meurs voilà, je m'excuse encore une fois. Alors j'avais un programme en fait qui s'installait derrière, je m'en suis douté. Parce que c'était une mise à jour, je devais terminer. Et je m'en suis rendu compte. Voilà, j'ai gagné. Tous les FPS que je perdais venaient de là, vu qu'il l'installait en même temps que je jouais. Et quand j'installe une application, mon ordi, j'ai mis par défaut priorité en ressources. Ben ça faisait un peu. Ça mettait un peu mon ordi à genoux. Enfin, un peu. Voilà, la production d'unités ennemies est bientôt finie. Youhou, vive l'artillerie! Oui, dans une vie antérieure, j'ai dû être chef d'artillerie ou dirigeant d'artillerie. Ou... Attendez, maître! Bon, lui, c'est fait. Ainsi meurt un traître. Oui. Mais que de perte. Que de tristesse. Brackman a atterri. Escortez-le jusqu'au système principal de l'IAQ pour qu'il détruise cette maudite machine une fois pour toutes. Docteur Brackman, vous tuer sera un véritable plaisir. Tu avais tellement de potentiel, Yaku. Oh oui, et tout ça pour rien. Commandeur, utilisez le signal de commandement pour mettre Brackman en position. Terminé. Vous pouvez déplacer le mégalithe de Brackman autant que vous le souhaitez, commandeur. Il vous suffit de cliquer sur le bouton signal de commandement, puis sur la destination. QG est terminé. Champion, le Trojan est toujours actif. J'ai repéré un laboratoire scientifique à capturer. Si vous y parvenez, le colosse situé près du laboratoire sera à vos ordres. Amalia terminée. Attaque en approche sur votre position. Terminé. On vient me voir Amalia. Possible. Je relève des signaux de prototype en provenance de la position de l'IAQ et leurs signatures correspondent à des unités Aeon et FTU. QG est terminé. Le module des 7 mains a été efficace dans sa collecte d'informations sur vos systèmes d'armement. Ironie du sort, c'est par elle que vous périrez. Il n'y a toujours pas qu'on se scopre du Brackman ne me vaincra jamais. Elle est presque opérationnelle. Voilà. Le colosse est à vous, champion. Déchaînez sa puissance contre nos ennemis. Gloire à la princesse. Amalia, terminée. Oh oui, on va se faire. J'ai besoin d'aide, commandeur. Amalia, terminée.
Ouais, t'es un peu sous le tir adverse et tout. Ces bases n'ont aucune importance. Voilà. Un COS galactique en plus, à savoir qu'un COS c'est négligeable dans cette mission hein, par rapport. Mais c'est surtout pour éviter que l'adversaire l'ait en fait que je me suis autant concentré sur lui. Des unités ennemies pilonnent ma base. Venez renforcer ma position. Ça, je suis au courant. Ouais, Yamaga a fait totalement son boulot comme prévu. Sans trop subir de pertes. Donc d'un côté c'est très bien parce qu'au moins ça fait moins d'unités à protéger. Et eux par contre j'aimerais bien que ma flotte se déplace. Et au moins elle a survécu surtout à Yamaga, ça c'est important. J'aurais bien besoin de mon dispositif de quantique optique ici. Voilà. Voilà. Là, j'ai bientôt avoir éliminé ce qui reste à éliminer. Enfin, ma base se fait démolir. J'ai besoin d'aide. Je vais pas tenir. Au revoir, Fletcher. Je lance la production d'un Fat Boy. Continuez votre couverture aérienne. De toute façon, j'ai plus ou moins abattu moi-même au début de partie, donc. J'en prends de tous les côtés. Je dois me dégager. Rappel. En soi, vu ce que je l'ai mis au début et à retirer en tout début de partie, c'est pas surprenant. Voilà, Naga, l'abattoir avoir son tech 2 en boucle, enfin son deuxième niveau de bouclier. Donc voilà, on a récupéré un cos galactique de plus que ce qui était prévu. On répare à Naga. Et on a gagné. Et tout ça en deux vidéos et pas trois. Ah là là, ça c'est bien. Alors, je remets en vitesse 0, sinon on voit la cinématique en vitesse que je l'ai mis, c'est pour ça. Je suis en position, mon petit. À partir de maintenant, je m'occupe du reste. C'est simplement une question d'interface, oui, oui. Vous êtes un vieux fou. Ce sont les Séraphim qui ont fait de moi ce que je suis, pas vous. Un père connaît toujours les faiblesses de son enfant. Ah oui, il y a toujours une faiblesse. Bon, là c'est bugué, non. Vos efforts sont... Que faites-vous? Ce n'est pas possible. Au revoir, Yaku. Au revoir. Et voilà, tant pis pour le petit bug. Avant la destruction de l'IAQ, je suis parvenu à extraire les codes des portes. La route vers la Terre est maintenant dégagée. Ah oui. J'espère que l'invasion réussira. C'est l'unique façon de tout mettre à plat et de recommencer. Vous devez être victorieux, mon petit. Pour nous tous.
Donc c'est ainsi que nous en terminons cette mission. Donc j'ai rien à dire de plus. Hein. Donc, à part que je vous remercie d'avoir assisté à ma compagnie, je vous dis à une prochaine fois si ça porte ou bien. Et à ciao tout le monde. Il y a encore une mission et nous avons terminé le jeu. Et oui. Mais ça sera pour la suite. Allez, portez-vous bien.